L'élection en ce jour 31 octobre 2020, c'est un jour mémorable dans l'histoire des élections en Côte d'Ivoire et en particulier au Gabon. Depuis 8 heures du matin, l'élection a bel et bien déroulé sur toute l'étendue du territoire gabonais, à savoir Libreville, et c'est l'école publique de Lui qui a été réquisitionné pour pouvoir passer, pour pouvoir voter dans de bonnes conditions. Et nous avons aussi deux bureaux de vote à Port-Gentil, un bureau de vote à Franceville et 10 bureaux de vote à Libreville. Voilà. Donc dans l'ensemble, ça se déroule bien depuis ce matin. Tout se passe très bien, il y a de l'affluence et voilà, ça se passe très bien. Je suis représentant du candidat Alassane Traoré Ouattara, RHDP. En tout cas, le sujet se passe bien. Il y a l'engouement, les gens viennent voter paisiblement, quoi. Le nombre de votants sur le fichier électoral, le nombre d'inscrits, nous sommes autour de 5000 et quelques électeurs. Voilà. Mais en particulier, Libreville, nous avons 4332 électeurs. Et à Franceville, 83 électeurs. Port-Gentil, 800 et quelques électeurs. Je m'appelle Diallo Daouda, représentant de KKB dans le bureau de vote 10. Tout se déroule à merveille. Jusqu'à peu de contrat aussi également, nous n'avons pas encore rencontré les difficultés. Et jusqu'à alors, les élections se déroulent normalement. Et on poursuit jusqu'à la fin pour voir réellement ce que ça va donner. Mais pour le moment, tout se passe à merveille. Oui, ça se déroule très bien depuis ce matin. Nous avons trois personnes par bureau de vote, à savoir le président du bureau de vote, le secrétaire 1 et le secrétaire 2. Voilà, donc le président du bureau de vote et ainsi que les représentants des partis politiques. Voilà, donc dans chaque bureau de vote, nous avons ces trois personnes-là pour s'assurer du bon déroulement de l'élection.